Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder et toute celle de cette série de vidéos proviennent de mes cours publiés sur digitalpainting.school intitulé Blender pour le concept art et l'illustration. C'est une grosse formation en 10 chapitres pour apprendre une des méthodologies les plus utilisées dans l'industrie des artistes aujourd'hui, et tout ça avec le suivi d'artistes professionnels via le forum des cours. Si jamais tu veux en savoir plus sur ces cours, tu as le lien sous la vidéo qui te renverra vers la page de présentation des cours. Un dernier point rapide, je te conseille de suivre ces vidéos directement sur le site. Ça permettra d'avoir accès à ta progression, de télécharger les fichiers des cours et même d'avoir le suivi des formateurs. Et tout ça gratuitement, il suffit juste d'être connecté au site. Allez, Leonardus, place à la vidéo. Bon, cette étape de texturing est plus ou moins terminée. On va prendre tous les calques, voilà, de rouille. Je vais faire CTRL-G. Je vais appeler ce groupe texture rouille. Là, je vais assez vite, hein, comme tu le vois, sur toutes ces étapes de Photoshop. Hein. Je détaille pas chaque action, chaque raccourci. Je pars du principe que Photoshop ou alors Krita, si tu utilises Krita ou n'importe quel autre logiciel, ça, tu le connais. On est quand même dans des cours plus avancés. Donc, je vais faire ensuite un nouveau calque par-dessus. Je vais désactiver d'ailleurs temporairement ma texture de rouille. Je vais le mettre juste en dessous de la texture. Ce que j'aurais aussi pu faire comme autre alternative aurait été la chose suivante. Je vais prendre un brush texturé, par exemple celui-ci. Je vais lui mettre une couleur un petit peu bleutée, comme ça. Et j'aurais très bien pu venir casser un petit peu, tu vois, cette texture, justement, cette peinture orange, comme si, par endroit, il avait été un petit peu rayé, qu'on voyait au travers. Je pense notamment que ça peut être quelque chose qui pourrait être intéressant, par exemple, sur les bords. Alors, je vais réduire la taille de ce brush. Tu vois, sur toutes les arêtes, en fait, puisque finalement, l'usure va souvent se faire à ces endroits-là. C'est souvent là qu'on aura de la peinture écaillée. Voilà, on pourrait le faire un petit peu ici aussi. Je regarde juste ce que ça donne si je passe ce calque en mode couleur. Bah, tu vois, je trouve ça efficace aussi. Et en fait, le mode couleur, ce qui va être intéressant avec lui, c'est qu'il va me garder mes informations de luminosité. Donc, par exemple, si je repasse ici, sur le bord de cette arête, eh ben, je vais garder ma highlight qui est derrière. Alors que si maintenant je suis en mode normal, bah, évidemment, je vais tendre, tu vois, à la recouvrir complètement. Donc ça pourrait être peut-être une astuce intéressante. Voilà, pareil ici, on va en enlever un petit peu par endroit. Pareil ici. Donc ça, tu vois, par exemple, ce sont le genre de petits détails de texture qui vont être vraiment intéressants si tu veux rajouter du détail. On n'est plus vraiment sur des choses ultra spécifiques à Blender, à la 3D, même de manière générale, hein, si tu veux améliorer tes rendus, que tu fasses une armure de chevalier, un petit robot ou peu importe, tu vas avoir des zones d'usure qui vont être plus marquées à certains endroits qu'à d'autres. Donc ça, c'est plus de l'observation et de la logique. Allez, je dézoome un petit peu. On va lui faire quelques petits traits comme ça un peu partout. Moi, je trouve que c'est pas mal. On a vraiment un rendu de peinture écaillée, je trouve. Pareil, là, sur le bas, je vais repasser aussi un petit coup là. Donc là, tu vois, je suis vraiment à vitesse réelle. Hein. Tu vois que ça va assez vite. Pas besoin de faire ça avec trop de soin non plus. Après, évidemment, c'est à toi de juger ce que tu veux, jusqu'où tu veux aller, pardon. Là, on peut rajouter un petit peu, pas trop non plus. Puis là, c'est pareil. On peut imaginer qu'il a pris des objets dans sa petite main, qu'il a fait ça peut-être pendant des mois ou des années, et donc à chaque fois qu'il va manipuler des objets, bah, il va se rayer les bras. Il risque de faire plus de rayures sur ses bras au bout, lorsqu'il est près des objets, près de la main, que près de sa base. Il va moins se cogner ou s'érafler là-haut que là en bas. Donc ça, tu vois, ce sont des petits détails. Alors certes, le spectateur, lui, ne remarquera peut-être pas ces petites choses, mais même inconsciemment, on a quand même l'art de reconnaître ce genre de choses. Des fois, on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais pourtant, on trouve que le rendu est vraiment bien, etc. Et c'est ce genre de petits détails qui peuvent faire la différence. Donc là aussi, tu vois, je vais écailler un petit peu la peinture là-haut. Voilà, pareil, un peu plus sur les arêtes qu'ailleurs. Ok. Allez, on va dire que c'est bon. Je remets ma texture de rouille par-dessus, comme ça on peut voir ce que ça donne. Alors, ça donne... quelque chose qui, pour moi, fonctionne bien à certains endroits. Tu vois, par exemple, ici, sur le bras, je trouve que
Ce petit ajout de désaturation marche bien, mais je trouve qu'à d'autres endroits, ça rend un peu moins bien. Donc peut-être que ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la sélection ici, tu vois, de ma texture. Ou alors non, je vais faire l'inverse. Je vais d'abord ajouter le masque de fusion à mon groupe de texture. Donc comme ça, je vais pouvoir masquer avec un brush soft, ou peu importe quel brush d'ailleurs. Et avec une couleur noire, tu vois, je vais pouvoir masquer ma texture là où j'en ai pas envie. Je vais récupérer les endroits où j'ai peint sur mon calque en dessous, donc tous les endroits bleus. Et avec cette texture active, je vais venir masquer les textures de rouille. Donc je vais faire CTRL-H. Ce qui, pour rappel, hein, me permet de masquer une sélection active. Voilà, comme ça, tu vois, je peux regarder un petit peu qu'est-ce que ça va donner si je masque ma texture à ces endroits-là. Au contraire, je peux aussi la réafficher, hein, je reprends juste du blanc. Je trouve que ça marche pas trop mal. Je vais ensuite venir, avec du noir, passer un petit coup. Je fais CTRL-D hein, pour désélectionner. Et avec du noir, je vais passer un petit coup ici, à l'intérieur. Là aussi, dans l'ombre, je vais la masquer un petit peu. Sinon, ça aura tendance à aplatir ma texture, puisque là, on a un changement de relief. Mais évidemment, ça ne suit pas la forme dans les arêtes et les petits contours. Donc, je préfère la masquer ici. Je reviens ensuite sur mon calque de désaturation. Je prends la gomme et je vais peut-être gommer tout simplement certains endroits. Ou en tout cas, rendre ça un petit peu moins bleu. Voilà, peut-être ici aussi. Là, j'ai envie de masquer ma texture sur le bord. On va dire qu'ici, on a justement de l'usure. Donc, on a moins de rouille. On va avoir moins de peinture orange aussi. Voilà, j'en profite pour gommer tout ce qui a dépassé aussi de la forme de mon petit robot. Même si ça ne sautait pas aux yeux. Allez, CTRL-S, on va dire que cette étape est terminée. Et maintenant, je te propose une autre étape assez amusante. C'est celle des stickers. Alors, on va mettre quoi? On va mettre ce gros sticker jaune Caution. Alors moi, ce que j'aime bien avec ces stickers, c'est faire comprendre non seulement bah, qu'il a sûrement été jeté à la poubelle, mais qu'en plus, on l'a vraiment considéré comme étant un robot dangereux. Hein. Vraiment, on l'a étiqueté, faut pas approcher de ce truc, il est complètement taré. Voilà un petit peu l'idée en tout cas que j'ai en tête. Donc, je vais mettre ici mon premier sticker. Alors, je vais peut-être le mettre un tout petit peu plus petit quand même. Voilà, peut-être quelque chose comme ça. On va le mettre... à cet endroit là, alors là je réfléchis un petit peu, alors faudra pas oublier de faire une petite bouche, d'ailleurs je vais peut-être faire ça juste après, et on va le mettre, allez, ici. Donc je vais refaire un nouveau clic droit, déformation, voilà, on va enrouler ce sticker autour du corps, donc voilà, simplement avec cette petite transformation là, hop, ça devrait suffire, on peut à nouveau redéplacer un tout petit peu cette partie-là. Ouais, je vais quand même remettre ça vers l'intérieur, sinon ça va me modifier mon sticker. Une fois que je suis satisfait du résultat, je valide. Là encore, je vais le décaler un tout petit peu. Voilà, pour qu'il remplisse bien l'intégralité de ma forme, je lui mets ensuite un masque de fusion, je prends un brush noir et je remplis là où ça a dépassé. Voilà, comme ça je masque mon sticker. Je peux d'ailleurs reprendre ici un brush texturé. Et je peux comme ça peut-être effacer certaines parties. Encore une fois, il a de l'usure, donc on s'amuse à le montrer. Je vais d'ailleurs marquer cette usure vraiment sur les bords. Des arêtes ici qui ressortent, puisqu'encore une fois, on part du principe qu'il y a eu des frottements, etc. Donc le sticker a été abîmé. Donc je vais faire ça juste après. Je vais juste changer de brush. Celui-ci devrait quand même mieux fonctionner, voilà. Donc là, je suis l'arrondi de l'arête et la face du dessous, justement, de ce petit volume là qui a été extrudé par ici. Voilà, on va l'enlever dans cette partie-là. On va faire comprendre qu'ici, voilà, c'est abîmé, hop, les contours sont un petit peu irréguliers, parce que le sticker, il a pris cher avec le temps. Voilà, pareil en bas. Voilà, on peut faire des petites griffures dessus. Là, tu peux t'amuser vraiment à vieillir ça comme tu veux. Ensuite, je dézoome un petit peu. La perspective m'a l'air correcte. Hein, c'est pas parfait, mais c'est largement suffisant. Je crée un nouveau calque par-dessus.
juste ici. Je fais Alt plus clic entre les deux calques, ou alors Ctrl Alt G sur le clavier pour mettre ce calque en écrétage. Ça, normalement, ce sont des choses que tu connais, je vais assez vite, sur tous les raccourcis et toutes les parties Photoshop. Je vais faire quoi? Donc je vais rajouter un petit peu d'ombre. Donc pour l'ombre, on va prendre la couleur du fond, peu importe, ce calque, je le passe en mode produit, et comme ça, tu vois que je vais obscurcir la partie à droite, qui reçoit logiquement un petit peu moins de lumière. Et ensuite, avec la gomme, je vais vraiment venir chercher le meilleur rendu possible pour mon ombre. Donc là, tu vois qu'on a tout de suite gagné en volume ainsi qu'en réalisme. Voilà pour cette partie. Ensuite, je crée un nouveau calque par-dessus. Je le mets en écrétage. Je vais le mettre en dessous de l'ombre. D'ailleurs, je vais renommer ce calque ombre. Voilà, je vais le désactiver un petit peu. Je vais juste revenir sur mon sticker et je vais juste faire de la saleté. Parce que là, il a quand même un jaune qui est parfaitement uniforme. Il n'y a aucune texture dessus. Il n'y a aucun détail, il n'y a aucune saleté. Donc, c'est un petit peu trop parfait pour moi. On va juste, du coup, prendre un brush, voilà, par exemple celui-ci, peu importe le brush. On va prendre une couleur un peu plus sombre, un peu plus terreuse, voilà. Et comme ça, on va passer dessus à quelques endroits. Et on pourrait même, pourquoi pas, par exemple, venir faire des coulures. Voilà, après, bien sûr, libre à toi de faire un travail de texture plus ou moins intéressant, plus ou moins poussé. Voilà, je remets l'ombre. Et ma foi, c'est pas trop mal. Je vais juste la gommer un tout petit peu ici. Voilà. Ce qu'on peut ensuite faire pour toujours plus de réalisme, là, on est vraiment dans le détail, hein, mais j'ai vraiment envie de t'accompagner dans le meilleur rendu possible. Donc, je vais reprendre un brush de petite taille. On va passer ça à 3 pixels. Je vais prendre ici la couleur des ombres, foncée. Et je vais venir comme ça peindre rapidement une petite ombre portée à quelques endroits. Voilà, même s'il est collé sur la surface, bah, il y a peut-être des endroits où on verra, tu sais, cette petite ligne, juste cette fine ombre en dessous de l'objet. Voilà, tu vois, comme on dit en anglais, le diable est dans les détails. Ça a toujours été un petit peu mon credo. Je reviens sur la texture de rouille, hein, j'ai juste envie de la masquer un petit peu à ces endroits-là. J'ai oublié avant de l'enlever un petit peu, voilà. Pas que ce soit non plus trop parfaitement uniforme. Je vais aussi d'ailleurs enlever un petit peu de texture de manière générale. Voilà, je trouve qu'il y en a un peu beaucoup partout. Ok. Ctrl S, on dézoome. Ma foi, ça commence à être sympa. Continuons. On va mettre un deuxième sticker. Juste par rapport à ces stickers, je vais venir sélectionner tous mes calques. Je fais Ctrl G, je le mets dans un groupe que je nomme Stickers. Voilà, je rouvre le groupe et je vais en glisser un deuxième dessus. On va prendre celui-là, on va prendre celui-là. Je vais prendre celui-ci. Alors celui-ci, il est peut-être trop petit. Non, c'est bon, quand je l'agrandis, il ne pixelise pas. Et celui-ci, je vais carrément lui coller sur la tête. Donc on refait comme avant, Ctrl-T. Alors je vais peut-être juste baisser son opacité avant, comme ça je verrai un petit peu en transparence ce qui se passe à travers. Comme ça, tu vois, je peux encore apercevoir légèrement les limites de mon robot. Je vais venir le mettre de manière penchée comme ça, clic droit, déformation, alors là où c'est plus arrondi, donc on va l'écraser, évidemment tout ce qui va être sur le côté. Alors là tu peux remarquer un petit bug d'affichage, hein. Dès que je fais un CTRL Z, on a le calque qui saute comme ça, donc ça je suis désolé, je sais pas pourquoi, je ne suis en tout cas pas responsable. Donc je replace bien ça, les petites poignées aussi, voilà. Alors ça, je vais pas le faire aller aussi loin sur la droite, hein, donc je vais revenir dessus après. J'aurais peut-être dû d'ailleurs commencer par ça. Donc je refais clic droit, je fais Home OT6, ce qui me permet de revenir dans ce mode-là. Je vais pouvoir, comme ça, tu vois, le replacer ailleurs. Allez, j'aimerais faire une rotation, s'il te plaît. Non, il veut pas. On va donc aller dans rotation. Voilà, on va mettre ça là. Je refais ensuite déformation, donc là, je recorrige, hein, par rapport à ce que j'ai changé. Voilà, ça on va le faire commencer un petit peu moins loin, comme je l'ai dit, mais j'ai quand même envie de le faire commencer sous la roue. Alors ce genre de transformation, de déformation, pardon, ça peut demander un petit peu de pratique. Hein. Dans les cas complexes comme ça, avec beaucoup d'arrondis, c'est pas forcément instinctif, mais tu devrais t'en sortir avec un peu de patience. Voilà, on va dire que c'est bon, c'est pas parfait, mais ça devrait faire l'affaire. Donc ensuite, je remets ça à 100%. Je lui mets un masque d'opacité, comme tu t'en doutes, je vais masquer toutes les parties qui ont soit dépassé de mon objet,
soit les parties où je ne le veux pas, comme par exemple les yeux. Voilà, donc là, on va l'effacer. Là aussi. Ah oui, j'étais même encore vraiment loin de cette limite. Hein. Là, je me suis trompé, j'ai pris en fait le bord de l'épaule là comme repère, donc je vais défaire le lien du masque de fusion, je refais CTRL T, clic droit, déformation, je corrige juste ça, hop. Comme ça, ce sera un petit peu plus juste, voilà. Ça aussi, du coup. Voilà, on aura, je pense, une bien meilleure forme. Je reviens sur le masque de fusion et je continue ce que j'avais commencé. Voilà, et là aussi, on va évidemment l'abîmer, le déchirer un petit peu. Hein. Donc on va faire par exemple des contours un peu irréguliers par endroit. Là, peut-être qu'ici, on a une espèce de petite forme triangulaire de papier déchiré. Voilà, quelque chose comme ça. Et je peux reprendre mon brush texture que j'avais avant et faire un passage, voilà, pour faire des espèces de... Je sais pas, de texture abîmée. Ok, voilà. Ensuite, on va refaire les mêmes étapes qu'avant. Donc, un nouveau calque par-dessus, qui va me servir à faire de la saleté. Donc, je vais reprendre mon brush ici, Splats for Blends. Je te rappelle que tu as normalement accès à mon pack de brush, hein, si tu veux reprendre les mêmes. Voilà, je vais prendre n'importe quelle couleur, juste pour salir un petit peu ce papier, il est quand même très très blanc. Ensuite, on fait un autre calque par-dessus, en mode produit, ça ce sera l'ombre. Pour rappel, voilà, donc là on prend un brush soft, une couleur foncée, et on repasse par-dessus. Et notamment sur le terminator de l'objet. Donc je te fais un petit rappel de la partie 1 du programme, chapitre 5, ombre et lumière. La partie la plus sombre de l'ombre, c'est le terminator, c'est généralement entre la lumière rebondie, la lumière réfléchie et la lumière directe, donc c'est vraiment ici qu'on voit que l'ombre est la plus forte, donc c'est là que je vais mettre le plus l'opacité de ce calque présente. Et sur la gauche, c'est pareil, on rajoute un petit peu d'ombre aussi. Ce calque, je vais baisser son opacité, parce que c'est un petit peu fort. Est-ce que c'est bien? Oui, moi ça me semble pas mal, j'ai même envie de rajouter encore un peu plus d'ombre près du terminator. Voilà, je pense qu'à 60% on est bien. Je vais reprendre mon calque précédent, je vais l'appeler PO. Comme paint over, donc c'était le calque sur lequel j'ai fait la petite ombre portée ici, tu vois. Donc je vais refaire la même chose ici. Donc je prends une couleur foncée, un brush de petite taille, voilà, 3 pixels, c'est très bien. Et je vais juste refaire un petit peu d'ombre par endroit. Donc là, faut y aller vraiment, vraiment subtilement. Voilà, là aussi, peut-être que le papier est un petit peu décollé, du coup, ça fait une ombre portée en dessous. Eh bien, ma foi, on en a terminé pour cette étape. Évidemment, tu n'es pas obligé de te limiter à 2 stickers. Si tu as envie d'en mettre une quinzaine, fais-toi plaisir. Moi, en tout cas, je m'arrête à cette étape-là. Ça sonnera aussi la fin de cette petite vidéo. Je vais juste enlever un petit peu de texture de rouille ici sur les bords. Je fais ça rapidement. De toute façon, je pense que je risque de repeindre directement par-dessus après. Ok, je te donne donc rendez-vous maintenant dans la prochaine vidéo. J'enlève juste encore un petit peu la rouille ici. Donc dans la prochaine vidéo, on va justement commencer la dernière étape qui elle aussi est plutôt fun, en tout cas moi je l'aime bien, qui va consister à venir à la main manuellement, peindre les derniers détails, casser encore un petit peu cet aspect 3D trop parfait, et puis on s'arrêtera là. Bon, Leonardus, après tous ces efforts, je pense que tu peux bien nous trouver un petit remontant. Juste un petit rappel avant que tu t'en ailles, ces cours étaient extraits de ma formation Blender pour le concept art et l'illustration. Je t'invite à les suivre directement sur le site, comme je l'ai déjà dit, tu auras ainsi ta progression, tu pourras télécharger les fichiers et avoir le suivi et les critiques des formateurs, qui sont quand même des artistes professionnels de l'industrie. C'est plutôt cool. Si jamais ces cours t'intéressent, tu as le lien dans la description en dessous de la vidéo. Sur ce, merci pour ton visionnage, la suite sera publiée très bientôt.